29 ans, je suis dionysien. J'ai grandi à Saint-Denis de 0 à mes 18 ans. J'ai grandi au Franc-Moisin, à un des quartiers de Saint-Denis, et je participe au Collège des médias. Et c'est pour ça que je soutiens de tout mon esprit et de tout mon cœur la candidature de Saint-Denis pour être capitale de la culture européenne en 2028. Saint-Denis représente pour moi cette petite sœur de Paris, et Saint-Denis aujourd'hui est le centre d'une forme de culture. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures différentes. Et le brassage que la ville de Saint-Denis peut proposer depuis plusieurs années, eh bien, c'est un brassage exceptionnel. La culture de Saint-Denis est ouverte sur l'autre, une culture vraiment tournée vers l'étranger. Il y a des arts différents à Saint-Denis, l'Académie Fratellini qui est un temple de la culture du cirque et des arts contemporains, le Stade de France qui est le berceau du palmarès du football français, le théâtre Gérard Philippe, la musique urbaine, on peut citer notamment NTM qui est né à Saint-Denis. Et pour moi, cette ville qui représente différentes cultures a aujourd'hui cette possibilité, cette envie et cette ambition d'être capitale de la culture européenne. Et c'est pour ça que je soutiens ce projet, parce que cette ville pour moi a tous les éléments pour gagner et remporter cette campagne.